Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour une vidéo courrier et vous parler aussi du petit bug qu'il y a eu avec YouTube. Alors, on va commencer par Sophie Scrap qui m'a envoyé une jolie carte de vœux. Donc moi, la mienne est prévue, mais j'ai pas encore envoyé parce que là. Je suis malade et ben je ne sors pas du coup donc voilà. Donc voilà les belles cartes avec un dies carrousel de 1000 perles, de l'organza avec un bonne année en stickers, ça a un nom mais je me souviens plus, et un fond embossé et le tout entouré de rose, ben, ancré de rose. Donc je vous lis pas le message, mais en tout cas je te remercie beaucoup pour ta carte qui m'a fait très plaisir. Moi aussi je te souhaite une bonne année, mais normalement une carte va pas tarder. Donc voilà. Et ensuite une carte d'une copinote aussi. Donc ça se présente comme ça en livret. Il y a des embellissements, il y a mon petit mot que je garde pour moi. J'aime beaucoup le système des pochettes avec les ronds. Va falloir que. Bah, il n'y a pas que les ronds avec les carrés, les rectangles. Va falloir que je m'y mette. En tout cas, j'aime beaucoup le ruban là. Donc, je vous montre dans la première pochette sa belle Memory Dex. Tout en vieux rose, plein de paillettes. Ouais, vous voyez les paillettes. Il y a de la dentelle là en dessous. Le papier est super beau. Une découpe. Là, une petite découpe d'ange. Un petit nœud, une petite étoile. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Elle est dans ma collection. Ensuite, je vais vous montrer les petits embellissements qui sont top. Donc elle fait ça sur du carton, je pense. Il va falloir que je te demande. C'est trop beau. Je t'enverrai un mail pour. Bon, et tu le recevras peut-être avant. Ça, on dirait de la tapisserie en dessous. Il y a un petit camé, des petits pompons, de la dentelle et un petit nœud avec une demi-perle. Et encore des paillettes. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc il y a Pistache qui dort là. En ce moment, elle est très câline. Il faut toujours qu'elle soit à côté de moi. Là, un beau petit tag. Je l'ai cette découpe-là. Corinne me l'a offert. Donc il y a des petits cœurs un peu partout. C'est tout ton sur ton. C'est très joli. Une petite cage à oiseaux. Un petit ruban avec des petits cœurs dessus. Et un petit ange encore. Merci beaucoup Agnès. C'est très joli. Donc là, vous avez vu les pochettes, il y a des demi-perles roses dessus, vieux rose. J'aime vraiment beaucoup, c'est mes couleurs. Et je trouve que le gris et le rose, ça s'accorde super bien. Donc là, toujours des perles. C'est vraiment simple, mais c'est très beau. Il faut que je te demande avec quoi tu as fait tes cœurs. Et en plus grand, j'en ai eu un petit, un moyen, un grand. Avec deux petites fleurs roses là. Très, très joli. Voyez, ça brille. Hein? Merci beaucoup Agnès. Ça me fait mais énormément plaisir. J'espère que moi ma petite carte t'aura plu parce que tu fais partie de la première fournée qui a été envoyée. Bon, tes cartes sont pas tant fortes mais bon les Memory Decks et les embellissements, top. Je suis désolée, hein, vous voyez rien avec ce gros chat là. Voilà. Merci beaucoup. Ah non, j'ai oublié. Elle m'a offert aussi un paquet de rubans de Noël. Super beau. En lin et comment? En lin et rouge. J'aime vraiment beaucoup.
pense que vous les voyez bien. C'est très très beau. Bah déjà, j'aime bien le lin. En plus, il y en a une sacrée quantité. 4 fois 1,5 m. C'est bizarre, on dirait qu'il y en a plus que ça. Merci beaucoup. Alors, merci à Sophie Scrap et à Agnès. Ensuite, je voudrais revenir sur le bug des commentaires qu'il y a en ce moment sur YouTube. Vous avez dû le voir passer. Ce matin, j'ai vu une vidéo de Kat, donc du coup, je l'ai fait parce que sur mon téléphone, je l'ai. Le studio de YouTube, là, je l'avais téléchargé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et comment? J'ai été voir les commentaires. Je suis désolée si je parle doucement, mais j'ai vraiment très très mal la tête. Et comment? Bah, je me suis aperçue, donc là, j'ai approuvé les commentaires comment de ma dernière vidéo. Mais je me suis aperçue que dans les spams, bon, il y avait quelques commentaires pour ma dernière vidéo, mais il y avait aussi un nom qui revenait tout le temps. Alors la pauvre, elle va croire que je lui réponds pas, mais je n'ai pas vu tes messages. Je vais essayer de remonter au plus loin que je peux pour leur répondre. Mais Bibib25 m'a mis des commentaires en dessous de chaque vidéo. Mais ça a été classé en spam. Et de ce fait, ben, moi, je ne les ai pas vus. Parce que, ben, comme vous savez, je m'y connais pas beaucoup Je suis désolée, hein, pendant que je vous parle, j'essaye de faire des... Je regarde si... Non, là, c'est zoomé. J'arrive pas à aller... Je trouve qu'on voit en gros plan. Enfin, bon. Je m'y connais pas beaucoup en informatique. Donc... Je connais les bases en secrétariat, tout ça, mais voilà. Donc là, de ce fait, j'ai été voir. Je vais répondre à vos messages dès que je peux. Maintenant que je sais qu'il faut aller voir là-dedans, ben, j'irai voir. Mais encore désolée. Et Bipip25, je suis désolée si j'ai pas répondu à tes messages. Mais voilà, tes messages n'apparaissaient pas en dessous de mes vidéos. Ben, pour certains, parce qu'il y en a, ça remonte à 4-5 mois. Donc je pense pas pouvoir remonter, mais en tout cas je te remercie de ta persévérance parce que je vois que tu en as mis régulièrement et malheureusement bah, je t'ai pas répondu parce que je les voyais pas. Donc je m'en excuse auprès de toi. Voilà, il me semblait bien que je ne voyais plus trop. Après voilà, est-ce que j'ai répondu quand même? Je sais pas, j'irai voir, j'ai pas encore été voir. Donc voilà. Et bientôt va arriver la vidéo de partenariat avec In Love Art. Bon, je suis très contente des dice que j'ai reçus et des tampons. Mais bon, je vais faire une vidéo à part. J'aimerais les essayer avant de vous faire la vidéo. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus complète. On va essayer d'être un peu plus professionnel vu que c'est un partenariat. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.